100 000 hectares de surface boisée environ. C'est la superficie que le Niger perd chaque année à cause des coupes du bois de chauffe, principale source d'énergie pour les ménages, mais aussi pour les constructions et l'artisanat. Pour faire face à cette situation qui favorise la désertification, le gouvernement a opté pour le charbon minéral en créant en 2009 la Société nigérienne de carbonisation du charbon, SNCC. Timide au départ, l'utilisation du charbon minéral carbonisé s'est accrue ces dernières années, surtout à la Tabaski pour la grillade des moutons. Avant, j'utilisais du bois, tout simplement. Et j'ai remarqué effectivement que la grillade au charbon, elle est meilleure par rapport au charbon du bois, puisqu'il n'y a pas les odeurs de la fumée. Et c'est vraiment, la viande est mieux cuite. Plusieurs raisons expliquent cet engouement pour le charbon minéral carbonisé. D'une part, il y a son pouvoir calorifique et d'autre part, c'est qu'il est moins nocif que le bois ou le charbon de bois. Le charbon brut, c'est le charbon qui est extrait du sous-sol sans être carbonisé. Voilà, donc il faut le travailler pour le mettre à la disposition des ménages, c'est ce qu'on appelle la carbonisation. La carbonisation consiste à extraire tout ce qu'il y a comme substance chimique afin d'être assuré que le produit qu'on met à la disposition des ménages n'est pas du tout toxique. Et vous le savez très bien, si ce produit était toxique, c'est l'État qui est derrière la carbonisation du charbon. L'État n'allait jamais mettre en danger la vie de ses citoyens. Ce n'est pas possible. Cependant, l'allumage du charbon minéral requiert une certaine procédure. L'allumage du charbon minéral est très simple. Nous avons une procédure d'allumage qui, si elle est suivie, ne cause aucun problème. Mais les gens, ils ont tendance à contourner la procédure d'allumage. Quand ils prennent le charbon, ils veulent l'allumer dans un foyer, ils utilisent du pétrole. Or, le pétrole ne peut pas allumer le charbon minéral. Cette procédure consiste d'abord à décaper le sol sur la longueur de la ligne de grillade. Ensuite, utiliser 3 à 4 morceaux de bois pour l'allumage. Si la longueur de la ligne dépasse 3 mètres, il faut allumer le feu à deux endroits. Une fois le bois allumé, versez tout le charbon prévu dans l'air décapé en allant des bordures de l'air vers l'intérieur. Le feu est alors fermé par le charbon minéral. Puis attendre que toute la fumée se dégage avant de placer les carcasses de moutons. Notez qu'il ne faut plus toucher au foyer au risque de l'étouffer et que l'on peut se servir d'un four métallique pour faire la grillade des moutons avec le charbon minéral carbonisé.